Un œil par la fenêtre, prêt à faire mon entrée. Vêtu de noir jusqu'à la tête, la place est désertée. Je rentre sans effraction, on appelle ça la classe. On n'est pas tous des bons, mais moi je suis le roi du passe-passe. Les maisons du quartier sont toujours bien fournies. C'est ma centième visitée, après ça c'est fini. Pour moi c'est la routine, j'ai le plein de confiance. Et face au Billie Jean, je fais même quelques pas de danse. C'est tellement facile, j'y vais les yeux fermés. Les bijoux de famille, y'a pas mille endroits pour les cacher. Je retourne les photos car j'ai un minimum de scrupules. Les volets restent incognito, même si c'est ridicule. Mais comme c'est la dernière, je décide de regarder. Le fils, le père, la mère, une famille de policiers. Les mains en l'air et tout le temps. Je m'allonge et je sens cet oreiller moelleux. Ma poche se met à vibrer, SMS des parents. On est parti plus tôt, on est là dans une heure, bisous ta maman. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression d'être dans la mer. Je me relève très bouché avant d'atteindre la lumière. Ça me revient, c'était la nuit de mon petit frère. J'ai tout organisé, j'ai vu les choses en grand mais pas foutu de le retrouver. C'est plus chez moi, c'est un champ de bataille, c'est ma faute. Je sais pas si les cadavres c'est les bouteilles vides ou mes potes. Je crie pour réveiller les corps inanimés. Je me retourne et c'est là que je vois mes parents sur le palier. Ma mère veut me torturer ou me tuer, ça je sais pas. Chez mon pote, je le mène 3-0. Double contact, petite roulette, 1,4 et 4-0. Il commence à transpirer le coup du sombrero. 5-0, je me gratte le nez, il m'a sur le coup du foulard et 6-0. C'est même pas la deuxième mi-temps. Au 7ème but, il perd contre 3 titres, il y a 1 manette 0. Je veux ma revanche, t'inquiète, chez moi j'ai une manette au chaud. Vas-y, je te suis, mon canapé est maudit, let's go. Sur le chemin, il m'explique comment et combien m'exposer. Il dit ça à chaque fois, c'est jamais arrivé. C'est bizarre, chez moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Je pousse la poignée, je vois ma meuf et un mec déshabillé. Avec mon pote, on est bouche bée. C'est une blague, c'est ça. Ma copine qui cherche les mots, t'inquiète, te donne pas. À ce moment-là, tu nous sais comment ça va se terminer. Je retiens de 3 heures à ton propre mariage.